Bien sûr, nous, en groupe PQT, qui manière nous capables de continuer à soutenir une entreprise pareille. Et vous bien dire que nous, là, pour faire une manière qui l'économie relevée, nous relance la machinerie comme on disait, et nous faire des sortes qui nous bannent l'entreprise, surtout l'exportation qui est bien important pour le pays. Pas seulement en termes de création d'emplois, mais surtout aussi par rapport à devises Devise. qui nous besoin gagner, parce que le secteur touristique il est à l'arrêt complètement. Donc, maintenant, un sou qui peut rentrer. Donc, ça mène l'entreprise là, plus que jamais, il est important qu'il nous donne le support qu'il besoin et pour être capable, bien sûr, contribuer à mettre une devise dans le pays. Alors, encore une fois, me dire, je félicite mon propriétaire ici, me félicite mon travailleur aussi, qui, non seulement avec nouvelles technologies, avec plan qu'ils ont tenu pour l'avenir, mais on n'a absolument aucun doute qu'il ça l'entreprise, là, il y a une entreprise qui peut continuer à être là. Et bien sûr, nous souhaitons qu'il pourrait encore plus développement à l'avenir et faire de sorte qu'il risque quand même reste un pays continuer dans un produit de qualité qui nous fait et nous produire pour ban, aussi pour une marque de qualité au niveau international. Merci beaucoup. Ben, en cours, peut amener une réflexion, en cours, peut travailler, en cours, peut avoir une discussion avec un partenaire de l'hôtellerie et les autres aussi. Mais comment nous connaît, mon dire et mon répéter, il est très très compliqué parce que nous avons un côté pour être bien sûr le secteur. Nous avons pour être l'emploi dans ce secteur-là, nous avons des devises qui les rapportent. Tout ça là, c'est un côté. L'autre côté, nous avons quand même la santé publique. Nous avons à ce qui nous fait une manière qui nous limite au maximum ben, le risque qui nous avons ben, cas de contamination quand ben, passagers qui pour rentrer Maurice, qui pour voyager. Que ce soit les Mauriciens qui à l'étranger, que ce soit les résidents et que ce soit surtout aussi les touristes qui, bien sûr, me connaissent dans beaucoup de demandes là actuellement parce que Maurice est Covid safe, donc il y a une destination trip très demandée actuellement, mais nous besoin prendre maximum précaution. Alors, nous pas encore arrive à ce stade que nous capables de dire nous pouvons prendre une décision, le gouvernement prendre une décision pour capable réouvrir nos frontières qu'on peut trouver. Nous pouvons faire aller par rapport à ban vol de rapatriement. Nous pouvons faire aller aussi par rapport à ban cas urgent médical. Nous pouvons faire aller aussi par rapport aussi à une catégorie de ban business people et ban du monde qui est dans que ce soit dans l'investissement, que ce soit au niveau deux autres business qui peuvent opérer ici, que ce soit ben, certaines ben, ventures qu'ils ont souhaité faire, ça va ben, du monde là, bien sûr. Et non, au cas par cas, nous donnons une certaine autorisation. Mais pour le, à nous dire, pour le grand tourisme, nous encore peut réfléchir pour prendre une décision à l'avenir. Merci.